bienvenue avec moi, humoriste et acteur. C'est à dos pour l'épisode 3 à suivre. Hein? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Non, c'est ça. Pour l'épisode, bienvenue avec moi, Maurice, pour l'épisode 3. Tu te rappelles notre première nuit fut torride, mais il faut que je rentre à l'hôtel d'urgence et je finirai la route à pied. La route à pied, je ne vois plus le monde de la même façon. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. On se verra le lendemain. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes parce qu'avec moi, tu as le sentiment d'entrer dans la jungle. Tu dis ça? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu es un mec. Tu es un mec bien. Droit, responsable. Quelqu'un que j'ai l'impression de connaître depuis toujours. Et avec qui j'aurais pu faire ma vie. Oui, ma vie. Ma vie. Pas question. Pas question. Non. Pas question. Qu'est-ce que tu racontes? Pas question. Pas question de renoncer à ma carrière. Non, tu as un problème. Pas question de renoncer à ma carrière et de vivre au Vietnam. Au Vietnam. Ni pour toi de tout abandonner par amour pour toi, plutôt de saccager notre histoire, je préfère renoncer, renoncer, tout arrêter, tout arrêter en apesanteur et je ne regrette rien. Rien, absolument rien du tout. Ce genre d'histoire entre toi et moi, il faut les vivre sans essayer de les domestiquer, de les domestiquer. De les domestiquer, de les formater, de les inscrire dans un espace-temps qui n'est pas lieu d'être au bout du compte. Elle dure en nous toute une vie. Écoute-moi bien encore une fois. Écoute-moi bien encore une fois. Ce n'est pas pour t'offenser. Mais je ne vois la moindre issue
à ce coup de foudre. Tu es quelques pas de moi. Je pourrais... Non. Tu es à quelques pas de moi. Je pouvais sentir ta chaleur. Te rends-tu bien compte? Non. Te rends-tu bien compte? Et là, loin des fous rires et des plaisanteries, dans notre silence à nous, je sens ta main se poser avec assurance sur la mienne. Un long effleurement d'une infinie douceur, plus bouleversant et plus érotique que la plus intime des caresses. Sans rien se dire, tous les deux, nous avions nos corps savants, riches de tout, c'est possible. Jamais fatigué, jamais fini. Jamais fini. Les amis, comment allez-vous? Ça va bien. Moi, je pète la forme. Et ça va comme sous des houlettes. Les amis, écoutez cette belle histoire d'amour qui m'est arrivée un jour. Et tout a commencé un soir, je dis bien un soir, tout le monde était couché. Et oui, couché. Moi, j'étais resté à la belle étoile, à la clair de lune. Cette hôtesse est venue papoter avec moi, juste discuter. J'ai vite senti que je la plaisais beaucoup, beaucoup, même et plus que ça. Mais elle ne me plaisait pas encore. Mais elle ne me plaisait pas encore. Je n'étais pas dans le trip, sauf le plaisir de séduire donne envie d'être séduisant, ça donne confiance, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et dès le troisième soir, je me retrouvais chez elle, cette fois, clairement aimantée. On a de nouveau parlé, bu, manger, danser. La tension montait. Et elle et moi, on s'est retrouvés
planqué dans sa chambre, comme des ados qui refont le monde dans le dos des parents. Je suis bien, je suis bien avec toi, comme je ne le savais pas, comme je ne l'avais pas été depuis très longtemps. Calme, tranquille, serein, avec l'envie, tout simplement, d'aimer, de t'aimer et de me laisser aimer par toi. Me laisser bercer. Et raconte-nous, raconte-nous encore comment ça s'est passé entre vous, entre toi et elle. On veut connaître toute l'histoire. Ça a l'air intéressant. On t'écoute comme religieusement. Eh bien, mes amis, c'est extraordinaire, merveilleux. Cela n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. Mais quand cela arrive, waouh, c'est quelque chose de génial de connaître l'amour au moins une fois. On dit toujours, même si ça finit, mais quand même, vaut mieux vivre quand même une belle histoire. Vaut mieux vivre une belle histoire d'amour que... Je ne sais même plus comment dire ça. Bon, alors, je vais vous raconter tout simplement. Mes amis, où mon entourage était parti. Ils étaient partis quelques jours visiter Zétadou, Lille. Mais moi, je suis resté avec elle à la maison, dans sa maison. Avec son accord, bien sûr. Il y avait plus personne. On était seuls. Le et le, tous les deux. Je ne vous raconte même pas. Alors, la maison était à nous. Vous vous rendez compte? C'est une toute la maison complètement vide. Elle et moi, tout s'ouvrait à nous. Il y avait plus personne. C'est génial. Waouh! Un truc d'enfer. On va faire la fête. On va déjà décoiffer. On va prendre un billet. Waouh! Trop dément. Alors, la maison était à nous. À nous. Deux. Et là, on a carrément décollé comme un avion, Oui.
Pendant 4 jours, écoutez bien mes amis, pendant 4 jours d'enfer, dément, pendant 4 jours, on y a vraiment cru, tous les deux, et oui, tous les deux, on se racontait, on faisait l'amour des galipettes, pleurs, peu de sport de chambre. On dansait, on s'amusait, on riait. Et surtout, on faisait des projets ensemble. De retour au Vietnam, elle quitta tout, je dis bien tout, et me rejoignit au bout du monde. Et c'était le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie. Dès son retour au Vietnam, elle a réservé un vol pour la Martinique. Je dis bien la Martinique, l'île aux fleurs. Où je devais me débrouiller pour lui trouver un boulot, un travail. Mais je m'organisais, j'étais déjà là-bas ici, là-bas, j'étais déjà là-bas, ici, en Martinique. Et j'ai même fait une grande fête, une grande festa, une grande fête pour son arrivée ici, en Martinique. Tout le monde était là, en maillot de bain, en maillot, avec des fleurs, avec des colliers de fleurs. La fête de ma vie, un truc de ouf, mais sauf que le lendemain matin, ma décision était prise et irrévocable. Je ne veux plus qu'elle vienne. C'était juste impossible. Écoute, ma chérie, écoute, ma belle, je t'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon affection, mais notre histoire d'amour est terminée. C'est comme une parenthèse, un truc en suspens, au-dessus de l'océan. Non, c'est pas de ma faute, ne m'en veux pas, c'est pas que je t'aime plus, mais c'est juste impossible. Tu n'es pas, excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas la femme de ma vie. Mais certainement une femme de ma vie, juste une parenthèse, oui, en tout cas, la femme de mon retour à la vie, c'est une histoire d'amour digne du grand et grand.
dès du grand écran. Pourquoi mon couple est si compliqué, si compliqué? Ne dis pas ça, ne me rejette pas. Tu sais, en amour, en amour, en amour, on ne choisit pas, on ne choisit pas en amour. En amour, on ne soit en amour, on ne choisit pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Ai-je bien entendu? Tu veux dire quoi par là? Qu'on peut tomber amoureuse d'un père de famille marié, de son patron, du mari, d'une amie, et etc. J'en passe. Mais écoute bien, cet amour est juste impossible parce que tu devras apprendre apprendre à t'affranchir du regard des autres. J'ai comme principe de ne jamais mélanger travail et vie privée, travail et amour, travail et sexe. C'est trop, beaucoup trop, trop d'ennui. C'est trop d'ennui. C'est trop de désagréments. C'est trop d'ennuis potentiels à la clé, au final, pour ne rien récolter de bon. Seulement, voilà, mais je reconnais nos discussions sont devenues de plus en plus passionnées. Passionnant. Salut les amis. Eh les amis. Oh, on va prendre là où j'en étais. Les amis, nous rions énormément ensemble et nos regards en disaient long, vraiment, vraiment long.
J'ai tout fait pour lutter contre mes sentiments. Mais cette histoire d'amour s'est imposée à moi sans que je n'aie rien demandé, absolument rien demandé. Je ne demande, cherchais pas la lune, ni monde des merveilles. Quand, écoutez bien, quand elle m'a vu et elle m'a déclaré sa flamme, son amour pour moi, elle était si sûre d'elle, si sûre d'elle. Nous nous sommes mis ensemble. Elle m'a proposé que nous nous mettions ensemble. Et nous nous sommes mis ensemble il y a 5 ans, plus de 5 ans. Toutefois, elle demeurait très discrète. Très discrète. Alors, je me posais la question, est-ce qu'elle avait honte de moi, honte de s'afficher publiquement avec moi? Mes amis, elle a peut-être déjà subi quelques remarques désagréables de la part de certains collègues ou certaines collègues, et peut-être qu'elle préfère limiter les commérages ou même peut-être de la part de sa famille, de son entourage. Peut-être pour elle, l'interdit, je dis bien l'interdit, à ses charmes. Mais il limite la vie sociale. Donc, ce peut nourrir aussi la réalité d'une histoire d'amour, d'une belle histoire d'amour. Désormais, nos joies et nos difficultés vous ressemblez à celle de n'importe quel couple, n'importe quel couple. On veut avancer, on va devoir relever le défi du quotidien, de la routine qu'on ne connaît pas encore. Ouais, je sais, il y a tout ça, mais mes sentiments n'ont pas failli pour toi. Je suis sûr que tu es l'homme de ma vie. Tu es la bonne personne qu'il me faut. C'est toi que j'aime réellement. C'est bien que nous ayons cette discussion, parce que cela nous permet de communiquer et de mettre les choses au point, de dire ce qui va et qui ne va pas dans notre couple. Alors, j'en profiterai bien pour te dire les 4 vérités. Nous avons eu une grande discussion, je reconnais, et au fil des mois, tu as fini
par succomber à mon charme, pendant 5 ans et plus, nous avons eu une belle histoire d'amour secrète, du moins pendant 5 ans. Tu as eu une belle histoire d'amour secrète avec moi, dont je ne suis pas fier du tout. Non, je ne suis pas fier, que je ne suis pas fier. Non! Peut-être, mais moi, je suis comblé, je suis une femme comblée avec toi. Je suis heureuse de voir qu'on partage les mêmes sentiments, les mêmes désirs. Mais je suis très angoissée, oui, à l'idée de te perdre mon amour. Mais, les amis, je reviens à vous et continuons l'histoire. Je vous raconte. Alors, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Les amis, et si l'interdit est excitant pour elle ou pour certains ou certaines, il est aussi très frustrant car on ne peut pas s'aimer pleinement, entièrement. Alors, j'ai dû prendre la douloureuse décision de me séparer d'elle, de ma femme, de ma compagne. C'est vrai, c'est très compliqué, très très compliqué. Et très douloureux, mais il n'y a pas eu que de bonnes choses. Écoutez, j'ai été choqué, littéralement choqué, déçu. Je suis anéanti. Je me suis senti trahi par elle, sali par elle. Et j'ai même perdu ma raison de vivre. Ma dignité a été bafouée. Mais c'est un amour hors du commun pour lequel il aurait peut-être fallu que je me batte pour être avec elle. Mais elle a dû se battre pour être avec moi. Mais pourtant, aucun de ces obstacles ne l'a découragée. Elle savait que son amour pour moi avait un sens. Oui, un sens. Cet amour impossible, qui paraît impossible, est devenu possible. Parce que nous sommes restés soudés, unis. On a su faire équipe ensemble, sans non plus
nous isoler dans une solitude à deux et de nous couper de notre entourage. Elle s'est écartée et elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de moi depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors, donc, j'ai souri et je lui ai dit que c'était fréquent que les femmes éprouvent des sentiments pour moi, mais que moi, je m'interdisais toute relation avec celle-ci. Si je t'ai serré très fort dans mes bras, c'était pour remettre tes énergies en place, c'est tout. J'avoue que ça m'a refroidi, ça me refroidit, ce que tu me dis là. J'avoue que cela me refroidit totalement, c'est la merde. Mais écoute, aujourd'hui, je pense parfois à toi, à nous deux, à cette belle histoire d'amour qu'on aurait pu vivre ensemble, toi et moi, comme deux tourtereaux, comme deux dauphins. Et je regrette que cette relation soit impossible ou paraît impossible, car de la façon donc, tu me regardais, je reste persuadé, que c'était plus que ça pour toi. Écoute bien, ma chérie. Écoute bien encore une fois. Le problème, je dis, le problème avec toi, c'est que, en évoquant avec moi ta vie privée, puis en te serrant contre moi et en introduit, et cela a introduit une confusion qui ne pouvait être que troublée, À mon entendeur, salut, à suivre, à la prochaine. Suivez, ne manquez pas la 4e épisode. Donc, excusez-moi. Hein. Bon, c'est fini, terminé. Ne ratez pas la 4e épisode. Donc, avec moi, Iboris. C'est tantôt. Alors, je profite pour lire parce que, comme je vous ai dit, je fais un truc là, c'est pas facile, je lis. Nous prévenons les machins de votre live. Encouragez les spectateurs à machin. Soit sur TikTok. Qui ça? Sort. Il me dit sort sur TikTok. Sort sur TikTok. Unique, dis-lui de sortir sur TikTok. Salut. How are you, Black? Salut, Nounou Marville.
Voilà, et qui est? We're not even alarm. Double tap, guys, please. Tapote, envoyez-moi des pièces. Envoyez-moi. Eh oui, envoyez-moi des pièces. Eh oui, eh oui. Tapote, envoyez-moi des pièces. Alors, encouragez-moi, Nounou Marville. Envoie-moi des cœurs. Et Maurice, ça va. Ouais, ça va et toi, Nounou Marville. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Arrêtez. Arrêtez quoi? Arrête quoi? Nounou Marville, envoie-moi des pièces. Envoie-moi, tu m'envoies pas de pièces, tu m'envoies pas de cœur. Il faut liker. Personne n'envoie de cœur. Vous venez sous mon like. Thank you, Marie. Thank you, Marie, for the likes. Hey, Lucia, 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 alors, quelle nouvelle? Lucia, alors, tu m'as largué. Naomi, Gladys, Lotus, Emily, je ne sais qui, tout en bonne ces fonds blancs là, je te l'ai dit, moi là. Je m'avais laissé sans rien là, je m'en sais rien. Ah là là, allez, allez, alors. Hello. You drink a full of tea, no, give me none. What? You drink a full of tea, no, give me none. What girl, me know you want. I don't me they make. That's what for a biscuit me want. A biscuit there. What? Say, so, I have egg. I have no breakfast. No, me no want no egg. No want no egg. A biscuit me want. Crackers. Crackers, we are eating tea. We are drinking the tea. Thanks for the power tap, guys. Thank you. Somebody can send me some donuts. Tu es une barbadienne? Hé. Tu es une barbadienne? Do you speak English? Tu es une barbadienne? Hi, Damien. Damien, come for what's up now. Thank you, Bacchus. Thank you, Mari. And thank you, Troy, for the likes. Guys, we're making this night, you know. I definitely have nobody over there. You just come left one, win one game. If I ever want to game, guys, I'm moving. Thank you. Hey, tapote, je suis à zéro, Nounou Marville. Ou pas, attends-moi. Tu m'entends pas? Luizia, viens tapoter pour m'envoyer des cœurs, pour m'envoyer des pièces. Vous tapotez pas, vous êtes là, vous ne tapotez pas. Je ne sais pas, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Thank you for the likes, Bacchus. Vous voulez servir de paillasson? Je vous pose la question. Guys. Double tap. Double tap.
Vous êtes perdu, hein, à cause de vous, j'ai perdu. J'ai perdu, pas de pièce, il n'y a rien, tapoté. Let me share live, guys, share live. Hi, Bacchus. Because they're over here. Double tap, guys. Double tap the player, please. Come on, tap before you leave, guys. Because me there. Oi. Tapote. You can put what up. Please. Tapote. C'est joli, hein? T'as un beau visage. T'as un visage angélique. T'es adorable. Quand est-ce que tu viens ici en Martinique? Je t'attends. Je t'attends ici en Martinique. Hein. Viens me voir. Passe me voir un séjour. Je serai ravi de t'inviter à boire un pot. Guys, power tap, please. Vous parlez quelle langue? Vous parlez français? Vous parlez créole? Vous parlez français? Ben, vous êtes triste pourquoi? Vous êtes triste? Pour pas être triste comme ça? Ouais, quand je suis là. Je suis là. Tu peux te confier à moi. Hi, Jeremy. Tu peux compter sur moi. Thank you, Melvin. Qui compter pour ceux qui t'appuient. Tu sais que tu me fais des bisous. Merci pour les bisous. Hein. Je te fais des bisous aussi. Ouais, je te remercie. Il faut me faire plus beau que ça. Les bisous doivent être plus beaux. C'est un paquebot de bisous que j'ai besoin. Mais bon, je vais me contenter de ça. Tu sais, je ne vais pas laver ma bouche ce soir. Hein. Avec ces bisous-là, je ne vais pas laver mes lèvres ce soir parce que je veux savourer ça. Je vais aller dormir comme ça, avec ces bisous sous mes lèvres. Petite soeur, envoie-moi des pièces. Regarde, je te fais des gros bisous. Regarde. Regarde mes grosses lèvres. Ah, j'ai des grosses lèvres. Bon. Mais bon. Tu sais que tu as un visage d'angélique. Tu as un beau visage, hein? Tu ressembles à un petit Esquimau. Tu vois les sucettes là. Oh. Ah. Mais bon. Bakazaya, l'on va y aller.
Good job. Ah, t'as des beaux lèvres, hein, tu sais. Tu sais que t'as des beaux lèvres, j'aimerais écouter. Elle doit être sucrée, non? Tu sais que t'as quoi faire, hein? Ça bug. Ça bug. Nous m'enfile, j'étais portable tout à l'heure. Jette ce portable-là. Depuis le temps, chaque fois tu viens, chaque fois Nounou Marville vient, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ça bug. Si ça bug, jette le portable, je t'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Depuis le temps où t'as pas acheté un autre portable? Ben bon, acheté un autre portable. Why? Ça bug toujours. Ça bug toujours. Bon, il faut acheter un bon portable pour que ça ne bug pas. Tu vois, tu achètes un portable de classe. Et puis, depuis ton bébé-là, il n'y a pas qu'à jouer encore. J'ai acheté un portable une fois bien, machin. Ben, on est tombé. Pouf, les corps viennent nous. En saut, il voit. Pouf. À peine une semaine, j'ai perdu le portable plus fragile. On t'achète ça, cher, ben la fragile, depuis il tombe, écran fissuré. Depuis il tombe, la cloque a coulé. Ah non. Pas tous les portables qui sont bons. Alors, écoutez-moi bien. Bandera. Les Bandera là, bon, je fais plus trop de live aussi. Mais je vais essayer de faire un live pour parler de. Je vais parler de ce soir. Mais je parle pas trop de machin sur TikTok parce que non, c'est pas le fait de parler, c'est plus on peut parler, mais ça fait longtemps que je suis pas allé sur mon YouTube. Peut-être ce soir j'irai faire une émission. Donc messieurs, si vous me suivez, j'ai une émission ce soir. C'est comme juillet. C'est comme c'est quoi? C'est comme. J'allais dire une bêtise là, mais. Bonjour, tu es malade parce que ça. Bon. Alors, comment tu dis? Julia. C'est comme la liane, quoi, la liane, une liane. Et comme, je dis en bêtise, hein, comme juif. Bon, arrête de dire des bêtises là sur TikTok. Tout à l'heure, il a dit, bon, maman, allez livrer. Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'envoie un truc là. C'est qui? Attends, m'a cliqué ma way. Mais bon, pourquoi la personne est en bas? Allô? C'est qui? Mimi Dadou. Eh oh. Bon, il parti. Mimi Dadou, ou monte ou pas dit ou pas parler. Alors Julia Marville, qu'est-ce que tu racontes de bon? Ça on va deviner. Ça, on va deviner, qui ça qui est dit, qui change en 2000, puisque 2023 prend, qui ça qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Si c'est moi qui ai comme ça, c'est, vous savez, j'ai du mal pour la prononciation des mots, de certains mots. Excusez-moi, c'est la prononciation, j'ai du mal
Ouais, vous savez, ma créolais, je suis créolais. Comme je suis créolais, lorsqu'on sent beaucoup créole, ou pas trop faire attention. C'est pas nous, c'est Nanou. Nanou, excuse-moi, monsieur, mes yeux. Nanou, Julia. C'est quoi, Julie? C'est Julia. Ah, Jules, parce que, ah, comme le jus. Non, mais je m'envoie en idouvin, c'est pour ça. C'est écrit tellement petit que, au bout du compte, c'est deux L qui c'est quoi? C'est ah ouais, c'est J-U-L-I-A, Julia. Mais moi, j'ai vu un I. Devant le U, j'ai vu un I. Alors, je dis, c'est comment? Juif, comment? Excuse-moi, comment manger? C'est quoi ce bail juif là? Ouais. Mais c'est pas ma faute, hein. Ils écrivent la chose tellement minuscule que moi, j'y suis en I, alors que c'est Jésus, lui, deux, en I, deux, L. Non, c'est Julia, Julia, Nanou, j'ai vu Nounou, c'est écrit tellement petit que c'est Nanou, Nanou, Julia, c'est ça. C'est pas Nanou, c'est quoi? En laisse, Nanou, c'est quoi? C'est Marville. Mais tout à l'heure, j'ai vu Nanou, va dire, c'est pas Nanou. Ah, mais maintenant, tu as changé. Ou bien il y a quelqu'un, parce qu'il y a Nanou aussi. C'est pas toi, Nanou. Juliana, non, Marville Nanou, c'est pas où? C'est pas où? Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui vient souvent, qui s'appelle Marville Nanou. Je croyais que c'était où? Je croyais que c'était toi. C'est joli prénom. Hey, madame Jolie, là. Attends, je t'envoie une invitation. Mimi, viens me dire deux mots. M'a tellement laid, qui ça? Je suis tellement moche que tu ne montes pas à me dire deux mots. Rien changé. Ah, Marville Julia, Marville Ladipré. C'est ça. Négresse Ladipré. Ou négresse, négresse côté Yokaglis. La cité là, négresse la Dipré. Ouais, j'habite à la Dipré, hein. J'habitais quand j'étais, mais j'étais petit, j'étais bébé. Enfant, petit. Dis-moi, je dis moi, ma maman, mon papa, j'habitais là. Mais on n'est pas resté là. Non, c'est pas ça. C'est, mais dis-moi, c'est quoi le problème? C'est mes lunettes, c'est mes nœuds, c'est mes cheveux, c'est mes grosses lèvres. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? C'est mes gros yeux. Hein? Explique-moi. C'est ma moustache. Regarde comment je suis. Je ressemble, c'est le père, je ressemble pour toi à un primate. Je ressemble à une sorte de chimpanzé. Regarde. Les Blancs, ils ont dit nos ancêtres étaient des macaques. Non, plus. Eh bien, dis-moi, c'est quoi le problème? Je voulais. Regarde, tu ne viens pas me dire un petit coucou? Un petit coucou, la prochaine fois, si tu montes me faire un petit coucou, la prochaine fois, je me ferai beau pour toi. Je me ferai beau, très beau pour toi. Et je mettrai du parfum, tout. Ah ben, tu vas pas prendre l'odeur. Hein? Et puis comme ça, eh bien, je me mettrai sous mes 31 et puis on ira faire un petit resto. On va, si tu veux, on va faire un petit resto, ou bien on va aller manger un petit McDonald's ou un gros McDonald's. Ouais, si tu veux, c'est toi. Je t'oblige à rien. Mais bon, si tu veux bien, ça m'arrange bien. Hein? Parce que tu sais que la Saint-Valentin arrive.
Est-ce que tu sais ça, la Saint-Valentin, c'est dans un mois et quelques... On y dit un mois. Donc, je n'ai pas de Valentine. Et les femmes, là, je passe un coup de machin, là. Regarde, Chita. Chita passe un coup de gueule. Donc, s'il y a une femme qui veut de Chita pour la Saint-Valentin, si vous êtes seul, vous n'avez personne avec qui passer la Saint-Valentin, Chita est là. Faites Chita signe. Chita est là, hein? Chita vous suit partout, hein? Donc, vous me faites signe, je suis là. Je suis là, on passe un joli petit Saint-Valentin, on fait un petit pique-nique ou je ne sais quoi. Ouais, puis on va faire, pourquoi pas un petit séjour à Saint-Lucie. Vous voulez, on va faire un petit week-end à Saint-Lucie. Vite, hein? C'est pas un peu, on va faire un petit week-end, Saint-Lucie, tranquille. On fait 2 jours, on part vendredi, on revient, je ne sais pas, dimanche ou lundi. Bon, ah ben, mais non, bien, on peut aussi implémenter l'hôtel Martinique aussi, hein, faire 10 séjours. Non, Martinique, c'est trop cher. Donc, je cherche une Valentine. Alors, quelle Valentine qui veut d'un Chita? Un Chita? Donc, je suis perché sous mon cocotier. Alors, je serai un petit animal de compagnie. Eh oui, Chita, c'est un animal de compagnie. Alors, tu m'as pas répondu. Eh ouais, c'est ça. Et tu m'as pas répondu, Mimi Dadou, tu m'as pas répondu. Reste mais en profil femme. J'espère que tu n'es pas un homme caché derrière un profil de femme. Un homme avec des gros pecs, avec des gros bras. Hein? Un homme et puis en gros tête. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Ils mettent comme étant belle photo, madame. Et puis c'est un gros malcap qui est ça. Un gros malcap qui l'a. Alors, vous parlez de quoi là? Vous voulez parler de quoi? Nounou, tu nous parles de quoi? Je dis nounou, tu vois le nom vient. Je dis nounou, c'est Julia Marville. Julia Marville, tu nous parles de quoi là? Tu proposes quel thème? Bon, maintenant là, j'ai juste à 15h. À 15h, je pars. Donc, je suis disponible là jusqu'à 15h. Donc, il nous reste encore 2 heures. Donc, il nous reste 2 heures. Donc alors, pendant 2 heures là, on peut faire 1 heure parler de quoi? Vous qui veut lancer un sujet, il n'y a personne. Vous êtes handicapé. Non, vous mettez en misolier au bas. Mais bon, alors je vois 2023, les choses sont pas terribles non plus. Les choses n'ont pas changé, mais elles ne sont pas non plus terribles. Hein? Vous savez, c'est pas la mer à boire aussi, hein. C'est pas la Martinique qui est plus mauvaise que les autres. Il y a des pays aussi. Il y a des choses qui se passent et puis les gens, on n'en parle pas non plus. Ou bien on n'entend pas parler de ça, puisque les grands pays, les grands pays, les grandes puissances, ils ne parlent pas des faits divers qui passent en France ou même en Amérique, hein. C'est très rarement qu'on entend parler de ça, alors que nous, comme nous sommes une petite île, dès qu'un truc arrive, oui, ça fait les gros titres, ça quand même, mais dans les grands pays comme la France, tout ça, il y a encore plus de choses qui se passent. Et puis surtout, comme quand c'est des blancs qui le font, eh bien, ils n'en parlent jamais. Si c'est un noir qui fait un truc, oui, ça va défrayer la chronique. Mais il faut savoir, entre blancs, ils s'épaulent, hein. Les blancs, c'est comme les Asiatiques, hein? Comme les Asiatiques, les Arabes, tous les Indiens, tout ça. C'est dès qu'il s'agit d'eux, ils font pas dire du mal d'eux-mêmes. Contrairement nous, bon, si un nègre, ben, nous, on est remonté, mais eux, bon, puisque c'est la race supérieure, hein? On va pas oublier ça. Donc, ils vont jamais dire du mal comme nous qui sommes noirs, qui vont dire du mal d'un autre nègre. Hein? Donc, mais il y a des choses qui se font. Il y a des hommes qui tuent des femmes en France. Hein? Il y a encore plus d'hommes qui tuent de femmes en France qu'en Martinique. Hein?
C'est plus coutumier en France, puisque en France, c'est une coutume, hein? C'est une coutume que les hommes machos, toutes ces choses-là, ils tuent des femmes, ils battent, tabassent des femmes. Je veux dire, ça existe en France. Donc, on a l'impression, bon, quand les Blancs, ouais, tout le monde nous fait passer pour le mauvais, alors que ça se fait en douce en France. On sait qu'en France, tous les 20 secondes sur quoi, il y a deux femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Vous savez ça? Il y a plus de femmes qui meurent en France sous le coup de leur mari qu'en Martinique. Vous savez ça? Mais vous n'entendrez jamais parler de ça. Vous savez, les Blancs, ils ne parlent jamais de ça. C'est sauf si dans leur chronique, il n'y a rien à dire. Bon, ils vont faire un petit buzz pour essayer de faire, pour relater un petit truc, pour donner un petit truc. Mais en général, ils ne parlent pas de ça. Tu vois? En France, eux, ils ne parlent pas de violence. C'est pas, il y a la violence, mais eux, ils préfèrent nier. Ils préfèrent nier. Je ne sais pas, c'est comme si c'est tabou, quoi. Donc en France, c'est tabou. En Martinique, on ose parler publiquement ou à la télé, machin. Mais en France, c'est comme tabou, quoi. Parler de la violence, parler de la drogue, parler des femmes battues, tout ça, c'est presque tabou, ça. C'est presque tabou, quoi. S'il faut vraiment un truc vraiment exceptionnel, où vraiment il n'y a rien à se mettre sous la dent pour que les journalistes ou les médias en parlent, hein. Vous savez. Donc, après, on peut bon nous jeter la pierre en Martinique, mais bon, en Martinique, quand même, il y a des gens qui osent en parler, il y a des gens qui osent chanter aussi contre ça, il y a des gens qui militent contre ça quand même, alors que, en France, c'est pas partout, hein. C'est pas partout en France que c'est cause commune. On nous parle de droit à la femme, mais en France, vous savez, en Martinique, quand on parle de droit de la femme, la femme blanche va dire ça quand c'est un blanc avec une blanche. Va dire ça à machin. Tu vois, va dire ça devant les tribunaux, droit de la femme. Ça passe pas. Ça passe pas. Ah ouais. Ça passe pas. Droit de la femme, mais les blancs sont des machos, des machins. Ils ont été élevés comme ça, ils ont grandi. Donc, entre eux, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme. Même si eux mettent des lois, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un met des lois qu'il faut croire que sa mentalité a changé. Ils mettent les lois, c'est-à-dire pour nous. Ils mettent les lois. Mais eux, c'est pas parce qu'ils ont mis les lois que eux, ils fonctionnent par rapport à la loi qu'ils ont mis. Ça pas fait donc parce qu'ils ont mis des lois qu'ils croient dans cette loi-là. Je dois regarder. Ils ont mis des lois contre le racisme. Mais je veux dire que ça, c'est pas parce que la loi existe que je veux dire que les gens ne sont plus racistes. Hein. Les gens ils vont adopter une autre forme de racisme parce qu'il y a la loi. Donc, c'est vrai que même s'ils ont mis, c'est vrai ils mettent machin contre propos homophobes, les gens, ils vont toujours trouver un autre comportement. J'ai donc, de toutes les façons, l'être humain sait s'adapter. L'être humain sait s'adapter. Hein? Puisque l'être humain, c'est pas, c'est une espèce en évolution. Donc, dans toutes les si vous remontez toutes les siècles, les années, même les esclaves, ils ont su s'adapter. Après les esclaves, après l'esclavage et aujourd'hui. Donc ça montre que l'être humain n'est pas figé, l'être humain est capable d'inventer, de trouver de nouvelles facettes, de marcher par-dessus. Donc ce n'est pas les lois, comme je dis, qui vont résoudre les problèmes. Le problème, la loi ne peut pas enlever dans ta conscience ce que ta maman t'a éduqué. La loi, il peut t'opprimer, mais il ne peut pas t'empêcher de penser. Il ne peut pas t'empêcher de croire. Et c'est ceux qui nous gouvernent oublient, ceux qui votent les lois. Toutes leurs lois là, dans la tête, c'est là que ça se passe. Et c'est on t'a inculqué, les valeurs qu'on t'a inculquées, tu crois dedans, aucune loi ne peut l'enlever. Tu vois? Aucune loi ne peut l'enlever, mes frères. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un est raciste,
il est raciste. Mais frère, la loi va pas l'empêcher d'être raciste. La loi va pas changer sa vision, c'est à vous vis-à-vis de vous. Vous comprenez? Même s'il ne va pas vous dire des propos mauvais, machin, il va pas vous insulter, mais dans sa tête, son regard, son comportement, hein, s'il est raciste, il est raciste. Même s'il ne vous dit pas des propos machin, mais dans sa tête, il peut. Est-ce que la loi peut l'empêcher de penser des choses? La loi peut empêcher dans sa tête, quand il te regarde, il dit du mal de toi ou bien il t'insulte dans sa tête. Peut-être qu'il ne va pas t'insulter verbalement, mais dans sa conscience, dans son esprit, il peut t'insulter quand il te voit. Il peut dire plein de saloperies sous toi. Je dis que la loi n'empêche rien. Alors, je vois que personne, là, vous n'êtes pas machin, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser plein de côtes, parce que, plein de côtes, hein. Donc, je vous dis bye bye. Hein.